Coucou tout le monde, je vais vous faire une petite vidéo, j'espère qu'elle sera donc pas trop longue. C'est juste pour vous montrer comment, si vous ne savez pas faire, utiliser un pochoir et de la pâte à structure. Alors je vais me mettre au bord là, je commence ici parce qu'après les briques ne sont pas entières sinon. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Moi, je ne mets pas de washi. Ça me gonfle, le washi. Ça m'énerve. Ça déchire tout. Ça, c'est pas terrible. Voilà. Vieille carte de fidélité, vieille carte bancaire, ce que vous voulez. Et j'ai pris de l'enduit de rebouchage d'action. Voilà. C'est simple, clair, net et précis. Il y a longtemps qu'il est ouvert. Donc, il commence à être un peu plus sec. Mais ça va encore. Donc, vous vérifiez qu'il y en a bien de partout, qu'il y en a bien sur tous les trous du pochoir, et vous raclez le surplus. Et vous essayez pas de ne pas déborder en dehors du pochoir, sauf là, du côté gauche, où je m'en fiche. Voilà. Là, hop, j'enlève. Normalement, il faudrait que je laisse bien sécher pour ne pas venir récrabouiller là mon bord. Mais évidemment, là, je n'aurai pas le temps de laisser sécher. Hop. Et je vais replacer mon pochoir pour faire la suite. Yep, je le bloque. Et je recommence. Donc là, il faut aller jusqu'au bord et il faut essayer de le faire rapidement, là, le bord, sans trop écraser, parce que sinon on écrase les briques d'en dessous qui étaient déjà faites. Donc j'y passe pas 50 fois comme je passe d'habitude. Là, au milieu, je passe 50 fois. Au bout d'un moment, là, toutes ces petites miettes que vous avez...